Bienvenue Corp, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur The Devil and Me partie 2. J'ai fait la partie 1 hier quand j'ai fait mon live. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout de suite, sinon vous n'allez pas comprendre le jeu. Sur ce, c'est parti. Hey, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Marc, écoute-moi bien. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider, et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce que tu... Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas. Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision, et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que c'est très vrai. De filmer. Ça lui donne pas le droit d'être un connard! Non, mais. Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de Lonit Entertainment. Je pensais qu'on partirait ensemble, comme une équipe. Marc, c'est pas ta passion. C'est juste un taf comme ça, en attendant de te faire un nom dans la photographie. Tu peux pas... Je sais. Je déteste tous ces documentaires à la con. Charlie n'y connaît rien en cadrage, et je parle même pas de ses scripts. Alors laisse-le tomber. T'as raison. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça. Techniquement, meuf, quand un gars comme moi, par exemple, je fais des courts-métrages ou des doublages, chaque personne a son utilité dans la bande et n'est pas remplaçable aussi facilement que ça. Parce qu'imagine du jour au lendemain, je sais pas, exemple, Nathan fait un documentaire sur ma chaîne et un jour, ben, c'est plus Nathan, c'est Raph. Ben, le monde vont se poser des codes et des questions, tout ça, et ça peut causer la perte de certaines vidéos et même de la chaîne. Mais justement, il faut savoir que chaque personne est sensible pour quelque chose. Mais bon. Toi aussi, et les autres aussi. Kate, Marc, c'est servi. Vous venez dîner? Oui, on arrive. Parfait. Il nous a entendus? C'est évident, Marc. Alors, c'est lui qui construit ces animatroniques. Salut! Nous sert un peu de vin? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumet? On ne devrait pas l'attendre? Vas-y, sers à boire. Qui peut organiser un dîner et ne pas y venir? Vous n'avez rien fait qui aurait pu le froisser, j'espère. Non, papa. Ce serait pas la première fois qu'une source interne dégotée par Charlie nous met dans la mouise. Arrête, Kate.
Monsieur Dumet ? À table ! Il s'est cassé comme ça. Oh, Monsieur Dumet ! J'adore votre coupe de cheveux. On s'est servi du vin, ça vous dérange pas ? Dumet ? Ouais, il viendra pas. Hein ? Mais pourquoi ? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Mais j'ai... De quoi tu parles, Jimmy ? Il est parti à bord du ferry. Quoi ? Quand ? On venait de monter dans nos chambres. Il est... parti ? T'es sûr ? Mais non. Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça ? Ça n'a aucun sens. C'est là que l'histoire prend une tournure. Ils avaient l'air drôlement pressés. T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Les gars, ça bug vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille ? Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, pourquoi il est parti ? Donc il n'y a plus que nous ici. Pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après ? Il a sûrement une bonne raison. On ne sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas, et comme il ne livre pas sur l'île. Ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça ? Bah, réfléchis. On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Ou alors, c'est simplement un barge. Ce serait pas la première fois que Charles engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Pas que je veuille te donner raison, ça. Jamais. Mais je le dis depuis le début. Ce Dumet est trop louche. Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jenny. Tu veux bien arrêter d'en rajouter ? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi ? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Détrompe-toi, j'ai dégoté un paquet collector de cigarettes invisibles, et je suis justement en train d'en fumer une. Tu vois ? Je comprends mieux ton humeur massacrante. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis, on fait semblant de manger ? C'est quoi le plan, Charlie ? Peut-être que si on reste tous assis là bien sagement et qu'on fait un vœu très fort, la bonne fée de la post-production montrera l'épisode à notre place et s'occupera de l'envoyer à la chaîne. Levons nos verres à la bonne fée de la production et au plan de Charles. Non, mais là, ouais. Bon, ça suffit. J'aimerais porter un toast. On dirait bien qu'il s'agit de notre dernier repas en équipe. Vu votre attitude à tous. Moi et mes apôtres. Non. Attendez une minute, j'arrive pas à savoir qui est Judas ici. J'ai l'embarras du choix. Ah, et bien sûr, c'est toi le martyr. Tu découvriras bien vite que tu n'iras nulle part si tu n'as pas l'esprit d'équipe, Kate. Arrête de nous faire la leçon, Charlie. C'est quoi ton problème ? Tu sais, t'es pas toujours obligé d'intervenir, Jimmy. Tu travailles mieux quand tu dis rien. Crois-moi. Ouh. Arrête, Charlie. Si tu veux notre soutien, commence par nous traiter avec respect. Ça, c'est vrai. Vous avertez. Vous... Désolé. J'avoue. Je suis à cran sans mes clopes. On va essayer de se détendre. Bon, on va picoler en attendant que Dumet daigne se pointer à sa propre soirée. On doit se plier à ses règles. C'est sûr qu'on préférerait tous se mettre au boulot. Ou être chez nous devant la télé. Mais on n'a pas le choix, on va l'attendre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est complètement isolés, sans téléphone en plus. C'est pas comme si on pouvait partir. Autant essayer de s'occuper. On s'y colle ! Allez ! Il sait ce qu'on vient faire.
Il peut pas nous reprocher d'enfreindre ses règles. Sauf s'il y a des choses qu'il veut pas qu'on filme. Allez, j'en peux plus. Installons-nous, vas-y, vas-y. Fini de parler, là. C'est bon, d'accord. Allons-y. Très bien. Allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulettes. On se tient bien. Si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la couler douce. Ou de nous écharper. Bien reçu. On est des pros, on s'y tient. Formidable. Voilà, ravis de ça, j'aime ça. Bonne équipe. J'en aurai pas pour longtemps. Bien. 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 Pourquoi il y a Var qui vole ? Santé. Ok, c'est bien. On a réussi à voir ça. Ça m'intrigue énormément. Sa coupe de cheveux, c'est quelque chose. Casquette. C'est pas le producteur. C'est quoi ce bordel? Attends, le producteur, il a pas une casquette, non? Je sais pas, je vais checker quand on va le revoir. Coucou. Ça pleure ou ça fait des trucs bizarres? Y a quelqu'un? Putain, allez, ça commence. Très bonne idée, en vrai, très bonne idée. Ah, mauvaise idée, fais-moi. On est proche, très proche. C'est celle-là. Précédemment, nous avons abordé l'importance de la respiration abdominale dans la gestion de l'anxiété. Il a été démontré que pratiquer des techniques telles que Tsumo ou Pranayama 20 minutes par jour permettent de réduire progressivement le stress. Oh, c'est... Ça fait bien, c'est bon. Cependant, dans le cas d'une crise d'angoisse ou de panique, une technique plus courte et instantanée peut être nécessaire. Est-ce que nous allons étudier dans ce cinquième chapitre la technique 5x5. Installez-vous dans un siège le plus confortable possible et ne faites tout vraiment trop sur... Quoi? Défaites tout vêtement trop serré. Inspectez doucement par le... Inspirez doucement par le nez. Prendre 5 secondes. Essayez... La pension et essayez... D'accord. Commence par mettre ton casque.
Respire, meuf. Y a rien. T'as encore elle qui chiale, mais c'est que je vais là-bas et ça fait rien, ça. Sûrement un autre truc. C'est quoi ce bruit? La pendaison. Oh, l'exécution de HH. Waouh. Bah, c'est lui au début qu'au début. Je teste ces bruits. C'est quoi tous ces bruits? Hein? Il me semble qu'on pouvait continuer. Quoi? Oh non, je déteste quand ça fait des trucs comme ça. C'est des corbeaux, c'est des corbeaux. Hein? Prémonition. Ok, à éviter. Oh putain, un couteau directement. Ok. Ça m'a presque fait peur. Non, sous ma gueule. Sous ma gueule. Ok, je pense que c'est ouvert. Je peux peut-être la pousser, non? Quand est allé là? Oh mais putain, mais il y a le voisin à côté, fait chier. Oh, oh, j'espère que vous entendez pas dans la vidéo. Putain, il y a mon voisin qui fait des travaux. J'aime pas du tout l'ambiance. J'aime pas du tout l'ambiance. Pourquoi il y a des portes qui se claquent? Non. Putain. Yo, je suis vraiment obligé là. Quelqu'un? Mais meuf! Comment tu peux gérer un taf pareil et tu fais de l'asthme? À tout moment, tu fais une crise de panique et bam! Oh merde. Relax, relax, relax. Tu fais de l'asthme. Bordel. Le disjoncteur. Non, c'est cause d'elle que tu t'es été pété.
Monsieur Dumet ? Alors, cette dame paraît 10 ans plus jeune que elle. Quel est son. Il y a le son du coup. Jess, plan et devise. Laura, électricité et préparation du 7h. Monica, permis logistique. Environnement autre. Ryan, terrassement et démolition. Ok. Ah, faut maintenir. Ah non, ça marche juste pas. Hein. Disjoncteur. Là, on est là, ok. Kate y est pas allée de main morte sur les modifs. J'aurais une idée pour le code, mais je sais pas du tout. Conformément à votre demande, nous avons apporté les modifications souhaitées à votre testament. Un codiciel a été ajouté, speak de décès unique et bénéfique de l'ensemble de vos parimoine, c'est un œuvre. Ok. D'accord, là.
Je fais suite à nos discussions concernant les travaux que vous souhaitez effectuer dans votre établissement. Hôtelier pour le transformer en attraction touristique. Nous avons étudié les plans que vous nous avez envoyés afin d'estimer les travaux de construction nécessaires. Veuillez trouver au verso le détail des chantiers pour débuter le mardi le 17 janvier pour une durée, d'environ 10 semaines avec une date de fini estimée en vendredi le 24 mars. Veuillez me contacter si vous souhaitez donner suite à ce courriel. Je sais pas trop où aller. Pourquoi il y a ta charrette là? Oh, tu me niaises. Wow. En fait, les gars, le code... Faut juste être vraiment, mais vraiment attentif. Ce qui est là. 0451. Bon, c'est parti. Merci Seigneur, quelque chose du 21e siècle. Ah, ok, j'ai compris.
pas l'électricien, moi, de base. Mais non, 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 tu me niaises, là. Si lui, il marche pas, lui, envoie, il marche pas, Chris, comment ça marche? Ok, bon, comme ça. Ah, putain, j'ai compris, j'ai compris. Non, ça marche, let's go. Let's go to the showtime, baby. J'hallucine. Alors lui au milieu avec le micro, ouais bah le gars qui fait genre qu'il a un micro. Lui au milieu à droite c'est Freddy, l'autre à côté c'est Bunny, lui à côté c'est Chica et derrière c'est Foxy. Cassette. Ah oui je peux le mettre dans le truc. Attends, j'aime quand ça avance comme ça là. Pour construire mon propre petit château, tout comme Holmes. La plupart de mes semblables travaillent dans l'environnement de leur cible, au risque de se faire bêtement couvrir. Holmes avait tout compris. Tout est dans la méthode d'approche. Vous m'avez apporté des cigarettes, comme je l'ai demandé. Des Lucky Reds. Ouais. Ah, ça vaut de l'or par ici. Ça me fait extrêmement penser à la personne dans la fin de je m'en rappelle plus lequel jeu. C'était un squelette bizarre zombie. Il a acheté des encarts dans les journaux à côté des pubs pour l'exposition. Et les pecnos de tout le pays ont cru qu'il s'agissait de l'hôtel officiel. Les époux Kittle ont pris un train depuis le Nebraska. 3 jours de route. Et ils s'arrêtent à l'hôtel pour enfin se reposer. Ils prennent une chambre et... Oups! Devinez quoi? Holmes diffuse du gaz juste sous le lit et il les asphyxie. Ou alors, il ouvre une trappe sous leurs pieds. Peut-être qu'il les sépare et en oblige un à regarder à travers une vitre pendant qu'il égorge l'autre.
C'est l'avantage d'une bonne méthode d'approche. Les cibles ne manquent jamais. C'est ce qui m'a poussé à choisir les maisons au nord de l'aéroport. Le quartier était pourtant promis à la démolition, mais les demoiselles des agences immobilières n'avaient pas dû recevoir l'information. Il suffit de se faire passer pour un entrepreneur en colère. On se donne rendez-vous sur place, et comme par hasard, nous sommes les deux seules personnes aux alentours. Les premières fois, j'attendais qu'un avion passe pour couvrir les hurlements, mais au bout d'un moment, j'ai compris. Elle pouvait crier aussi fort qu'elle voulait. Personne n'entendait rien. C'est ce qui m'a le plus marqué. Les hurlements. Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi je suis ainsi. Pourquoi il y a une porte qui essaie de... Vous pouvez quelqu'un essaie d'ouvrir une porte. Experts de passer les données au crible. Mais vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais, Monday. Vous ne saurez jamais ce qu'on éprouve réellement quand on regarde la vie s'éteindre dans les yeux de l'autre. Extrêmement intéressant. Pas d'assistant, hein? Faut réfléchir à ces choses-là, boss. Ouais. Où ils sont tous passés? Faut être deux pour arracher Kate à son miroir. Hey, pardon d'avoir foutu la merde à table. Je voulais pas que ça te retombe dessus. Je comprends, t'en fais pas. Je suis le patron, c'est sur moi que ça tombe. C'est pas ta faute. Cool, merci. C'est quoi ? Oh. Toute là. Erin, cherche bien. Regarde si t'as pas un loquet, un bon, quelque chose. Il faut qu'on enfonce la porte. Non. Je peux pas. Cherchez de quoi enfoncer la porte. Avec Marc, on va tenter de la forcer. Non. Dites, il y a quelqu'un avec moi, tout près. Mon Dieu. Thank you.
Quoi? Non, non. Oh, que j'ai fait le bon choix. Respire. Allez, respire. Hey. T'es en sécurité. Tout va bien. Allez. Il y avait quelqu'un, là, dans la pièce. Erin, c'est juste un mannequin. Non, c'était pas un mannequin. Il portait un chapeau, comme Ori Holmes. Tu lui mets trop de pression, Charles. Elle est en train de délirer à cause de l'émission. C'était pas... Tout va bien, Erin. Il s'est rien passé de grave. Il y a personne ici. Tout le monde va se calmer. Quelqu'un va emmener Erin se reposer. Je suis pas fatiguée. Tout de suite. Viens, Erin. Bâtard que t'es... Vous voilà. Je trouve qu'Erin a fait preuve d'un très grand courage. Pas vous? Bah, ça sert à quoi de l'attaquer? Où se trouve notre hôte, Monsieur Dumet? Il semblerait qu'il ait quitté l'île. C'est grossier de sa part de manquer le dîner. Cependant, Charlie a surallié ses troupes, et tant mieux. Car la route à parcourir sera semée d'embûches. Je ne peux qu'observer... Et cela. T'es un putain de raison, en fait. C'est très frustrant. Je dois dire que je vous envie. Je consigne les événements, mais vous les façonnez. Vous devriez y retourner avant qu'un de nos amis ne prenne de son propre chef une mauvaise décision. On respire un grand coup et on tâche de rester calme. Non, Charles. Ça suffit. Cette histoire est bizarre depuis le début, mais là, ça devient flippant. Oh, détends-toi. Je suis sérieuse, je la sens vraiment pas, cette histoire. Ça me tue de l'admettre, mais Kate a raison. Quelqu'un a essayé d'agresser Erin. On sait pas ce qui s'est réellement passé. Je sais ce que j'ai vu. Dans le noir. Tu crois que j'invente des histoires? Tout le monde se calme, ok? Laissez-moi le temps de réfléchir. Eh ben, ça promet. Et c'est une sortie de scène pour notre patron au courage légendaire. C'était quoi? C'est Charlie qui réfléchit. On dirait plutôt qu'il pique une crise. Ça peut se comprendre. Si on boucle pas cet épisode, on est foutu. Non, mais fin à une décision dans ta vie, n'importe laquelle, et là, ça... C'est ce moment que tu choisis pour t'affirmer? Pardon, je suis peut-être folle, mais si Erin dit que quelqu'un était là, je la crois. On est en danger. Ce n'était qu'un mannequin. Je suis en train de mentir, c'est ça que t'as tu crois? T'as peut-être mal interprété ce que tu voyais dans le noir. Je sais ce que j'ai vu. Mais dis-lui que bon. Quelque chose t'a attrapé, t'a touché. On a déjà un plan. On se tire d'ici. Non, écoute. Surtout pas de conclusion hâtive. Je vais trouver Dumet et tirer cette histoire au clair. Tout va bien se passer, ok? Et on va les tourner, ces images. Il nous a posé un lapin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas le retrouver? Mon optimisme naturel. Tu devrais prendre exemple. Bravo, Charles. Tes délires à la con nous ont encore bien foutus dans la merde. Dumet a filé. Je l'ai vu, tu te souviens? Il est peut-être rentré. Ou peut-être pas. Ça te tuerait de positiver juste un peu pour une fois? Quand on voit les idées qu'a Charlie d'habitude, celle-ci n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire idée que j'ai eue ce soir. Y a vraiment pas de quoi être fier. Ton sens des priorités est merdique. Je laisse tomber. À plus. Je viens avec toi. Attends.
Tu veux pas rester? Mais c'est de la merde, enfin. Promis. Bouge pas, que je puisse te retrouver, ok? La meuf est en... Et tout à l'heure, elle a dit, je suis désolé pour la table, c'est pas de ta faute. 2 minutes après, tes trucs sont merdiques. Non mais meuf... Il peut raconter ce qu'il veut, c'est mort. Je ne continue pas comme ça. Kate. Je m'en vais, Marc. Tu me suis ou pas? Pourquoi je te Erin suis, Erin a vu quelqu'un. Ok, c'est vrai. Désolé, mais Charlie a dit... On risque notre peau. Ça me paraît plus grave que perdre un boulot. C'est vrai. Allez, Erin, tout va bien se passer. Bouge pas. Vous pouvez pas rester le temps que je remballe? Je veux pas perdre une minute. Je serai juste à côté. Dépêchons-nous. On revient tout de suite. C'est promis. Je te déteste, toi. Je te déteste. Non, non. Désolée, je flippe encore. Tu peux laisser ouvert pour m'entendre au cas où? Bien sûr. Ok, Big Boss. On le cherche où, Dumet? Je cherche pas Dumet, mais des images valables. Si on tombe sur lui en chemin, parfait. Putain. Y a rien d'autre qui t'intéresse, hein? Bien sûr que si. Dis ça à Kate. Tu le sais aussi bien que moi. Si on s'installe et que la caméra tourne, elle ira se planter devant. Change d'escalier. Nice, y a pas du tout d'autre escalier en fait pour monter. Pousse-toi. Pourquoi là y a une musique bizarre? 0,180, oui, mais là... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je me demande si le gardien sait où est passé du maître. Criminel avant que le bâtiment lui-même ne soit démoli en 1938, ce qui a enterré à jamais le souvenir funeste de HH. Du moins, est-ce qu'on croyait, est-ce que nos téléspectateurs comprennent? Ah, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit? Comprenant funeste. Est-ce que l'équipe comprend funeste? Kate s'arrête. J'hallucine. Ta gueule. Kate s'arrête, la caméra contenue. Ah, mais tu fermes ta bouche une minute. De reculer les. Dévoilant la pièce. Kate suite lieu à confirmer. On pourrait croire que je ne suis. Téléporté en 1983, mais je suis bel et bien dans l'Illinois d'aujourd'hui où une équipe de chefs décorateurs talentueux en entreprise de remarquables travaux de reconstruction dans une reproduction du sinistre établissement où le riche homme de gré. Fin connaisseur de l'histoire de HH. Kate, suite, on entend presque les hurlements des malheureux clients de l'hôtel condamnés à devenir les prochaines victimes de Holom sans plus. Entendre, remontons dans le temps pour tenter de découvrir les secrets macabre que ce lieu pourrait encore refermer. Saisissons cette chance incroyable. Et Kate quitte la chambre. Erin doit pouvoir faire ça. Je préfère pas
prendre le risque qu'elle nous fasse une crise. Ok. Tu crois pas ça, tu crois pas ça. Qu'est-ce que t'as vu, meuf? Tu crois pas ça que le canapé a bougé? Mais tu es sensationnel. Oh, ça me fait peur, fais plus jamais ça. Hein? Pas de courant? Encore? Mais non. Oh, putain. On va aller chercher tes clopes? Non, on va pas chercher tes clopes. Ok, soyons attentifs. Ce gars-là, faut pas le faire chier. Ça a pas l'air tout neuf. Je sais qu'on l'a vu ça, mais... Je sais pas. Hé hey, j'ai trouvé la carte de visite de Dumet. C'est quand même une sacrée carte, hein. Un sur cinq de trouver. Ok, ouais. Soyez vraiment attentif. Jimmy, par ici. Ok, ouais, je flippe carrément. C'est du sang, c'est tout. Du sang, c'est tout? Tu te fous de moi? Pas de conclusion hâtive. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a traîné quelque chose et que ça saignait. Et ça t'inquiète pas plus que ça? D'accord, c'est un peu louche. Louche? Je dois dire quoi? Écoute, c'est sans doute simplement Dumet ou le gardien qui a rapporté un animal mort de l'extérieur. Du gibier pour nous. Pourquoi une Kimura? Oh putain, ouais, ce gars qui nous observe, hein, bah nice. Bienvenue à tous. Au spectacle de ce soir. Oh, c'est quoi ce délire? Présenté par Grand Thème Dumet. Dumet? Quoi? Il est pas parti. Je pense que c'est toute une mise en scène. Il veut nous faire revivre ce que les autres ont vécu. Et si on agresse le gars, ben il veut nous tuer. Tu parles en souhait? Ouais. Déjà, j'ai jamais vu un couloir aussi long. L'agent Monte pour la première fois le 12 octobre 1997 à l'aéroport d'O'Hare, alors que j'étais chargé de l'accueillir à ses sorties.
Je l'avais déjà croisé lors d'une conférence sur le comportement criminel quelques semaines auparavant, à Chicago. Mais je doute qu'il se soit souvenu de moi. J'étais aussi nerveux qu'un premier jour d'école. Je venais de finir ma formation et je me retrouvais au service de ce grand profileur qui venait de résoudre en Arkansas cette affaire dont tous les journaux parlaient. Ma première impression, c'est qu'il était... Oh, attends, un truc brille. Il y a un truc qui brillait. Ah, c'est ça. Une pièce encore. Et pas comme les autres. Peut-être qu'elle va rapporter plus. Deux. Il y a des bruits comme si deux personnes se battaient, mais avant je vais vérifier toute la pièce. Ah, charmant. Un gant plein de sang. Ok, go. Tu entends? Putain! T'arrives! Est-ce que ça va? J'hallucine! Stop! Regarde! Qu'est-ce que c'est? Merde, c'est un piège! Si t'arrêtes d'appuyer sur cette plaque, ce gars va se retrouver transpercé par ce truc. Au secours! Aidez-moi! Jimmy? Il veut juste nous intimider. Où est le corps? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se tire d'ici, et vite! Charlie! Hein? On y va! Tu l'as vu? Le masque? C'est quoi ce bordel? Non. On est coincé. Et merde. On est coincé. Qu'est-ce qu'on fait? On enfonce cette putain de porte. Ok. À trois. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est des barreaux. Deux. Trois. T'entends ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand il disait reculer, est-ce que c'est genre partir de la plaque ou... Non, oh, je sais pas. Merde. Oh.
T'as ton cristal sacré? J'ai eu peur. Et te fous pas de moi. Désolé. Et super magique. C'est une pierre d'améthyste, ça. T'aide à te calmer en t'enveloppant d'une énergie protectrice. Je sais, je me souviens. Ben si tu sais, évite de dire des conneries. Peut-être que je trouve simplement allez, que tu devrais assumer tes propres émotions au lieu de confier le travail à une pierre. Non, 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 écoute, si t'as confiance envers ça... Ça m'aide à me sentir mieux. Voilà. Un truc que toi, t'as jamais su faire. Ok, c'est peut-être nul de ma part de t'avoir dit ça. Je suis désolé. Ça va. Ok, ça me permet de lui rester calme. Faut que je t'avoue quelque chose. Ok. Tout à l'heure, t'as parlé de ce job que j'ai laissé tomber. Je t'ai jamais dit la vérité. Hein? Comment ça? C'était pas un job, pas vraiment. Tu veux bien préciser? Tu sais, mon pote Murray, il voulait ouvrir un studio à Brooklyn, de photos. Et il cherchait un associé. C'est ton rêve? Ouais. Ça m'aurait pas rapporté une thune, alors j'ai cru que... Tu me dirais que c'était complètement débile. Et t'aurais raison. Mais t'as pas pensé qu'il fallait peut-être d'abord poursuivre ton rêve? Et ensuite faire en sorte que ça marche? Faut croire que non. Je suis là, tu vois. Peu importe. Je le sentais pas, alors j'ai refusé. Et j'ai rien dit pour pas que tu critiques. Tu peux quand même te fier à ton instinct sans tout me coller sur le dos. Si tu le sentais pas... Tu le sentais pas. J'ai refusé parce que... It would have taken me away from you. Oh. J'avoue que j'y avais pas pensé. En fait... Que veux-tu que je te dise? Je m'accrochais en espérant que les choses changeraient. Au fond, j'ai encore de l'espoir. C'est bien, mon gars, c'est très bien. Marc, jamais... Oh, je comprends. Faut qu'on y aille. Allons retrouver Erin et Baron. Ça va, mon gars, t'inquiète. Ils ont trouvé du maître, tu crois? Charles a vraiment envie de lui parler, alors. Je vous fais un tout petit teaser. Je vous spoil un truc pour mon prochain court-métrage, parce que vous savez que moi, de base, ma chaîne YouTube, je voulais que ce soit des courts-métrages. Mais au fin de compte, je vais faire du gaming et des courts-métrages. Alors, je vais vous faire un petit teaser. Le court-métrage qui va venir ne va pas être sur Fortnite, mais sur un autre jeu, et ça va être une histoire romantique qui va durer beaucoup, beaucoup d'épisodes. Mais bon. On y va. On va voir la fille pour voir si tout va bien. Côté. Chambre là, non? Qui peut bien s'amuser à verrouiller ces portes? Du maître? Ou bien son larbin en ciré jaune? Attends. C'est quoi? Il y a vraiment un petit malin qui trouve ça drôle? Qu'est-ce que ça fout là? T'as apporté ça? Non. C'est elle? Oui. Shelby. Ongle assorti. Oh non. On portait toujours le même vernis. C'est lui. Quoi? C'est lui. Au second plan. Tu le connais? Je le connaissais. C'était juste
un des mecs qui traînait toujours dans le coin. On se croisait parfois en soirée, mais pas plus. Je trouve juste drôle que sur la photo, toutes les pages sont bien faites, sauf elle. C'est à moi. Tu sais que c'est pas vrai. Le soir de sa mort, je devais la retrouver. On devait aller acheter à boire ensemble pour une soirée. J'ai dormi. On nous disait bien au campus de surtout pas sortir seule. Shelby m'attendait, je suis pas venue et... C'est là qu'il l'a eu. Tout va bien. Putain, ça va pas bien. Rien ne va bien. Mais pourquoi tu repenses à ça? Tous les jours, et là, il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un a voulu que je trouve ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas vrai. Par ici, vite! Charles! Je tiendrai pas. Écoutez, vous devez absolument trouver un moyen de sortir. Tirez-vous de ce merdier! Vite! Oh. Jamie! Charlie! Merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais je crois que là... Ça sent pas bon. Pourquoi tu mettais les fesses du gars là, toi? Oh là... Ah.